Bonjour. Dans les précédentes vidéos, nous avons découvert que les fleurs pouvaient servir à la teinture végétale. Nous avons découvert également que les fleurs étaient comestibles. Les fleurs revêtent moult usages dans notre quotidien. Elles ne servent pas seulement à embellir nos maisons ou notre potager, mais elles participent aussi à notre épanouissement personnel. C'est avec ces fleurs que nous exprimons l'amour. C'est ainsi que, dans le domaine de la cosmétique, la rose est connue pour son pouvoir cicatrisant et tonique. C'est aussi un anti-ride et un anti-infectieux réputé. Dans cette vidéo, je vous parlerai du bain de lait infusé à la rose. Je vais vous donner une recette que vous pouvez appliquer chez vous de main de maître. Alors, voici la recette. Mélangez une demi-tasse de lait en poudre, une demi-tasse de pétales de rose séchés, un quart de tasse de flocons d'avoine, un quart de tasse de sel d'Epsom et un quart de tasse de bicarbonate de soude dans un blender. Et mixez pour obtenir une fine poudre. Versez la moitié de la mixture dans un bain chaud. Ajoutez quelques pétales de rose. Et voilà!